On part, attends, on crie. On va shooter Jumbo Josh avec cette batte de baseball. Ok. Wow. Insane. On va shooter Jumbo Josh avec un ballon de football. Allez, on le met juste ici, regardez, c'est le petit gardien. Je prends un ballon de foot, let's go. On place ici, et là, je vais devoir le dégommer. Oh non. Je l'ai loupé, on va recommencer. Eh vas-y Jumbo Josh, il m'a saoulé. Là on va vraiment y aller juste à côté. Voilà. Vous voulez manger du poulet ce midi avec des frites? Moi oui, alors au pilabeur, hop, on jette à l'intérieur du four. Voilà, on met une cuisson et on va mettre 200 degrés. Voilà. Bam. Là au pilabeur, elle va littéralement mourir. On va écraser Nam Nam avec cette bûche. Let's go, on met Nam Nam là. Et là la bûche. Oh. On va shooter Nam Nam avec cette pelle toute rouillée. Ok, let's go. Oh. On va noyer Captain Fiddles. Allez, c'est parti. On va couper cette bouteille à la moitié. Voilà, c'est bon. On la coupe à la moitié. Oh, c'est plutôt très efficace. Regardez, je fais un travail d'orfèvre. Hop. Let's go. Oh non, j'étais très bien. Ok, c'est bon. Oh, attendez, je suis pas vraiment sur le trou. Ok, let's go. On va pouvoir enlever la moitié de bouteille. Je vais faire attention avec le cutter quand même. Ok, let's go. Là, on a deux moitiés de bouteille. Il y en a une qu'on va remplir d'eau. Voilà, on remplit cette moitié de bouteille là. Allez, let's go. On la remplit bien d'eau comme il faut. Et toi, Captain Fiddles, tu vas pas tarder à être noyé. Ok, donc là, c'est bon. L'eau, il y en a pas mal, je pense qu'on a assez pour se noyer là. Ouais, là, il y en a largement assez. Ok, Captain Fiddles, est-ce que t'es prêt à te noyer? Et je mets ça ici. Ok, Captain Fiddles, et là je te noie. Voilà, je te noie à l'intérieur. Voilà, mission réussie. Vous voyez ce Captain Fiddles? Je vais bien l'enfoncer dans l'eau là. Hop, voilà, on l'enfonce bien dedans. Et on va le mettre à geler, il va congeler et faire un bloc de glace. On va mettre à l'intérieur, voilà, c'est bon, là il y a un bac qui est adapté. On va le mettre comme ça, allez Captain Fiddles, tu vas congeler à l'intérieur. Je mets le gros glaçon, hop, et on va mettre à l'intérieur. Et on va ressortir ça quand ce sera complètement congelé, quand ce sera devenu un glaçon. Captain Fiddles, il doit être complètement gelé alors qu'il est... Oh, oui, c'est devenu un énorme bloc de glace, regardez-moi ça. C'est un gros bloc de glace. Wouah. C'est énorme. Il est tout gelé. Il va falloir décoller le plastique de ce bloc de glace. Et ce bloc de glace, on va l'envoyer par terre. Je suis en train d'essayer de retirer le plastique de la glace. Ça va pas être une mission très facile. Ok, ça marche. Oh, let's go. Regardez, c'est bon. Je peux retirer. Oh, ça va faire un énorme bloc de glace. Attendez, on va aller faire ça dehors. Je coupe bien pour... Voilà. Que je puisse tourner tout autour. Voilà, let's go. Oh, on a le bloc de glace. Ok, est-ce que vous êtes prêts? 3, 2, 1. Captain Fiddles, qu'est-ce qui se passe? On va le rebalancer. Oula. Bon, il y a de la glace qui est posée un peu partout. Et je vais le refaire tomber. Allez, let's go. Bon, Captain Fiddles, il est complètement gelé à l'intérieur. Là, je pense qu'il est définitivement mort. On va filmer Ban Ban se faire écraser par ce canapé. Je le mets dessous, voilà. Let's go. Et là... Ban Ban, là, je pense qu'il est vraiment écrasé. On va mettre Ban Ban sous ce pied. Bam, voilà, de lit. Et là, attention... Voilà. Ban Ban, je crois que là il va pas très très bien. On va mettre Jumbo Josh sous ses trous de voiture. Voilà, je rentre à l'intérieur de la voiture. Let's go, je vais allumer le contact. On va shooter au pilabeur avec ce clavier. Ok, je le prends bien comme il faut, c'est parti. Oh, on va faire un sandwich de Nam Nam et on va le manger. C'est parti.
parti, let's go. Allez, on ouvre le pain. On va choisir deux belles tranches. Voilà, deux belles tranches. Voilà, on a deux belles tranches de pain. Ensuite, sur ces deux belles tranches de pain, on va y mettre du jambon. Voilà, let's go. Une petite tranche de jambon. C'est parti. On est dans Top Chef. Cette tranche de jambon, on la plie en deux. Voilà. On va prendre des belles tomates. Ah, qui a fait ce nœud tout pourri? Bah, c'est moi. Alors, comment est-ce qu'on va faire? Ok, c'est bon. Ok, c'est bon. On sort la grappe de tomates. Bam, voilà. On va prendre une tomate. C'est bon. Et on va la couper. Voilà. En rondelles, c'est bon, let's go. On la coupe tranquillement en rondelles. On se fait des petites rondelles de tomates. Là, je pense qu'on en vrai, on en a assez. T'en penses quoi, toi, Zibex? Je trouve ça met pas mal, hein. Ouais, et le restant de la tomate, on va se régaler. On met les tranches de tomates comme ça. Voilà. Bon, je pense que ça suffit. On va mettre une autre tranche de jambon de l'autre côté. Bam, 5 sandwichs à la viande. On met nam nam, on met le pain. Et c'est parti. Excellent sandwich de Nam Nam. Mais qu'est-ce qu'il est en train d'écrire, Nam Nam? Oh, il est en train d'écrire un message pour vous, je crois. Oh, ok, qu'est-ce qu'il écrit comme message? Oh, vous allez bientôt comprendre. Ok, oh, il a écrit abonne-toi. Trop stylé. Mais cette fois-ci, je vais le planter avec le stylo. Voilà. Voilà, c'est bon. On va planter 100 cure-dents à l'intérieur de Nam Nam. Allez, c'est parti, j'ouvre ça. Il faut une plus grosse ouverture. Il y a que ça. Oh, sérieux, attendez. Je crois que là, c'est bon. Voilà, et on va planter Nam Nam. Voilà, à plein d'endroits. Ah, c'est compliqué de le planter, hein. Paf, ok, on plante un peu partout. Ok, bam, voilà. Je suis en train de le planter partout. Bam, 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 bam. Regardez, paf, paf, voilà, on entend à chaque fois ça craque parce que ça rentre à l'intérieur. On en fait un porc épic. On en fait un porc épic de Nam Nam. Hop, c'est bon, une autre aiguille, une autre aiguille, une autre aiguille, voilà. Il est en train de faire de l'acupuncture, voilà, hop. Il a un petit massage, Nam Nam. Bam, alors faut que je fasse attention parce que je commence à piquer en fait quand je lui plante des aiguilles, voilà. Là, voilà, on commence à lui en planter pas mal d'aiguilles, voilà, regardez, ce porc épic de Nam Nam. Est-ce qu'on peut encore lui planter quelques petites aiguilles? Ouais, je pense, bam, tac. Alors là, le problème, c'est que quand j'essaie de planter une aiguille, eh ben, je me plante avec les autres. On va planter à l'intérieur, bam, comme ça, voilà, tac, tac, voilà. C'est bon, voilà, on a plein d'aiguilles à l'intérieur de Nam Nam. On en a fait un porc épic, voilà, et on a encore tout ça à planter. On a des mentos, du coca, on a la peluche de Nam Nam. On va l'ouvrir, hop, alors faut que je l'ouvre correctement. Tac, voilà. Voilà, on lui fait un trou comme ça, voilà. Donc est-ce que vous avez compris un petit peu? Je vous montre juste vite fait. Hop, hop, c'est bon. Il faut que ça rentre, voilà. Voilà ce qui va se passer. On va mettre des mentos à l'intérieur. On va ouvrir la bouteille et le rentrer à l'intérieur. Par contre, il faut vraiment que le trou... Ok, c'est bon, là c'est bon. On peut bien rentrer facilement. Ok, c'est parti. On ouvre la bouteille. Il y a déjà pas mal de gaz. On ouvre les mentos. On a deux essais, hein. J'enlève les petits pics en bois. Est-ce que vous êtes prêts? C'est bon, c'est bon, regardez, regardez. Ça ressort de l'autre côté et tout. Ok, attendez, on va le refaire une deuxième fois parce que vraiment c'était énorme. Là vraiment pour le coup c'était énorme. Ok, let's go. Oula, non, non, pourquoi ça? C'était énorme, c'était énorme. Ah, c'était énorme. Faut que j'en mette plus d'un coup comme ça. Est-ce que vous êtes prêts? Non mais what? Voilà. Bon, je pense que l'effet est plutôt réussi. On va mettre des petits ralentis à chaque fois parce que là vraiment c'était vraiment très stylé. Voilà, bon, le pauvre Nam Nam. Là vraiment il est dans un état là, le pauvre. C'est compliqué cette fin d'épisode pour lui. Wouah. Pouah. Ça a mis une grosse chaleur. Allez, c'est parti, on refait.
Let's go, on le met ici. Voilà, le petit ban-ban. Bam, il est juste là. Et là, on va fermer la porte. Pouah, on remplit de l'eau dans cette casserole. Voilà, on en met vraiment un maximum. Et on va faire bouillir la Stinger Flynn. Voilà, c'est bon. L'eau, il y en a assez. On va mettre ça sur les plaques. Bam, c'est bon, j'allume les plaques. On met à chauffer au maximum. Voilà. Voilà, ça chauffe au maximum. On va attendre que l'eau ait bout. Et on va mettre Stinger Flynn à l'intérieur. L'eau, elle est en train de bouillir. On va mettre Stinger Flynn à l'intérieur. Est-ce que vous êtes prêts? Bam, dans l'eau bouillante, il est en train de brûler. On va attacher Jumbo Josh avec cette corde et les lancer au-dessus de la poutre. Allez, c'est parti. Let's go. Voilà. Alors là j'ai une corde, on va bien attacher Jumbo Josh avec cette corde. Voilà, il me faut un peu plus de mou. Voilà, tac, c'est bon. Attends, comme ça, c'est bon, c'est mieux. Ensuite, un autre nœud. Voilà, c'est bon. Et là on va jouer au cowboy. Hop, il faut que j'arrive. Ok, c'est bon. Et là il faut qu'on lance au-dessus. Donc là, hop, on va commencer à le faire tourner. Oh, oh, presque. On avait presque réussi. Alors je pense qu'il va falloir qu'on change de technique. Tout est en train de s'emmêler. Non, tout s'emmêle. Tout s'emmêle. Non, c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tout s'emmêle comme ça? Ok, c'est bon, on va le lancer. T'es un petit grappin. Hop, ok. Attends, faut que je lance avec plus de jus. Oh, let's go. Et là, on va falloir qu'on le chope. Oh, ok, oh, ok, let's go. Voilà, Jumbo Josh. Et on va le faire basculer, bam. Voilà, voilà. Voilà, Jumbo Josh. Et attention, le bon coup de pied. Oh. Oula. Il veut faire un combat de boxe. Ok, let's go, bon, voilà. On va faire exploser Nam Nam avec ses centaines de pétards. Ok, let's go, on le met ici. Hop. Ok, on ouvre tout ça de pétards. Ok, waouh. Vous avez vu tout ça? Il y a tellement de pétards. Oh, voilà, dinguerie. Regardez, c'est écrit 100 pétards. Voilà, ok. On va reprendre ça. On va mettre ça sur bonbon. Est-ce qu'on l'entourerait pas? Ouais, un petit peu, genre comme une ceinture. Hop, voilà. Ah, mais c'est mouillé. Bah, moi, il est mouillé. Ah ouais? Ouais, est-ce que ça va marcher? Ouais, je pense que ça peut marcher. Ok, vas-y. Est-ce que je l'allume? Ouais, allume. Allez. Vas-y, je l'allume. Ok, c'est bon. On barre, on barre, on barre. Attends, on recule, on recule, on recule, on recule. Ok. Oulalalala. Bonbon, je crois qu'il a pris extrêmement cher. Ça pue le cramer, on va nettoyer tout ça. Mais regardez-moi ça. Je crois qu'il est dans un état. Oh. Il a pris super cher, il est tout cramé. Oh là 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 là. Oh la vache. Non, là pour le coup, il a pris super cher. Regardez-le. Là, je pense qu'il est plus mort que mort. Je vais écraser Jumbo Josh avec mes pieds. Let's go, j'envoie. On va shooter Captain Fiddles avec ce nerf surpuissant. Allez, Captain Fiddles, tu vas là-bas. Let's go. Je charge mon arme. Oh là, j'ai loupé. Ok, bam, bam, bam. Ok. On va le mettre droit. Pas, pas, pas. Let's go. On le dégomme. Ok, on change de chargeur. Pas, pas. Regardez les énormes impacts de balles sur lui. On va étrangler Jumbo Josh. Allez, tiens, je l'étrangle. On va shooter Jumbo Josh avec ce ballon nerf. Allez, c'est parti. Hop, let's go. Je le positionne là. Je vais le shooter. On va mettre Ban Ban à l'intérieur du micro-ondes. Hop, voilà. On le balance, on le met sous la cloche. Oh, tac, c'est parti. Let's go. Ça tourne. On va étouffer Ban Ban dans cette serviette. Bam, let's go. Hop, je plie la serviette. Hop, voilà. Hop, c'est bon. On en fait un gros nœud. Et là, on l'étrangle. Oh. Ah, ah voilà, c'est bon, on l'étrangle. C'est bon, là il est bien étranglé. Ban Ban, c'est bon, je suis en train de l'étouffer. Ah, c'est bon, je crois que je l'ai eu. Ban Ban, je vais le dégommer avec ce jet d'eau. Allez, bam. On met puissance maximum. Ok, bon, c'est pas très puissant. Oh, voilà, on est en train de le noyer. Voilà, on le noie, on le noie, on le noie. On va mettre
nam nam à l'intérieur de la machine à laver. Bam, voilà, c'est parti. Et ça va directement à l'intérieur. Et je mets plein de linge aussi, comme ça il va bien étouffer. On met une pastille. Bam, c'est bon, c'est bon. Et là, on va lancer. C'est parti. Let's go. La machine à laver est lancée. C'est bon, regardez, on entend. C'est bon, Nam Nam, il va mourir à l'intérieur de toute cette eau. On va dégommer Jumbo Josh avec ce gaz compressé. Allez, c'est parti. On le met ici, hop. J'ouvre, j'insère la tige. Ah, voilà, c'est bon. Là, regardez, je secoue. Et regardez, regardez. Oh, let's go. C'est extrêmement froid. Et là, c'est parti sur Jumbo Josh. Oh, regardez-moi ça. Il est en train de geler. Il est en train de geler. C'est parti, on va électrocuter au pilabeur avec ce chargeur iPhone. Allez, attention. Bah, let's go. Jumbo Josh, tu vas rejoindre Skibidi des toilettes. Bam, voilà. Let's go. Un hachoir au pilabeur. Allez, c'est parti, unboxing. Du hachoir, let's go. Ok, qu'est-ce qu'on a là? Ok, on a là, on a l'endroit par lequel va ressortir au pilabeur du hachoir. Voilà, c'est là qu'on va voir les petits, la petite viande hachée de au pilabeur. Ok, bam. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? On a des tubes, ok. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est la machine, je crois. Oula, voilà. Paf. Voilà, la grosse machine, le hachoir. On a encore des choses à l'intérieur. Ah ouais, ok, on a différentes lames, je crois, pour le hachoir. Hachoir électrique. Voilà, let's go, manuel d'instruction. Donc on va se faire plaisir, hein. Là, on va se faire plaisir. Je crois que Pilabird, il va prendre extrêmement cher. On va voir comment est-ce que ça se monte un peu, tout ça. Je vais sortir cette pièce. Voilà, regardez, on a tout ça. On a tout ça, ça c'est le kit. C'est le kit du hachoir. Voilà, regardez, on a tout ça pour le hachoir. Alors, comment est-ce que ça se monte? Il faut le manuel. C'est écrit tellement gros. On n'a pas le manuel d'instruction. Ok, si, d'accord. Présentation de l'appareil. Et comment est-ce qu'on le monte? Montage. Il faut prendre ça d'abord. Ok, on prend ça. Ensuite, le tube. Il faut le mettre à l'intérieur, de ce que je comprends. Ok, voilà. Comme ça. Là, je crois qu'on est plutôt pas mal. Regardez, il y a une énorme lame à l'intérieur. Oh, puis la merde, il va prendre tellement cher. Ok, c'est bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit introduire la lame à l'intérieur. Ah, mais en fait, c'est déjà mis à l'intérieur. On insère ça à l'intérieur. Bam, ok. On visse, voilà, bam, comme ça. Ensuite, on met ça, je sais pas trop comment, dans ce sens-là, je crois. Ok, c'est là, on va le mettre à l'intérieur, tu vois, on va bien le broyer. Et ça, du coup, c'est... Ah ouais, pour l'enfoncer, ah ouais. Wow. Et mais attends, mais il va prendre tellement cher, what? Ok, d'accord. Préparation de la saucisse. On va faire des saucisses. De Hopi la Bird, ok. Et donc là, si on branche... Typiquement, je vais brancher ça. Bam. Wow. Wow. Mec, regarde l'intérieur. Oh. Ok. J'ai peur de faire n'importe quoi. Hein. Il faudrait qu'on coupe une aile avant de voir. On va couper une aile, je pense, c'est le mieux à faire. On va mettre au pilabeur à l'intérieur de sa choix. C'est plutôt pas mal. Je donnerai une note sur 10 pour Hopi la Bird. 2. Allez, 7 sur 10.